Loïc Perron, vainqueur pour la troisième fois de la Transat anglaise, déclaré à son arrivée à Boston le 23 mai, le plus dur a été d'affronter pour la première fois sur cette course des icebergs aussi bas dans l'Atlantique Nord. C'est une preuve du réchauffement climatique. Selon les dernières évaluations du GIEC, la température pourrait augmenter de 1,6 degré à 6 degrés d'ici la fin du siècle. Le climat est plus instable. Cyclones, tempêtes et inondations seront plus fréquents, plus forts et dureront plus longtemps. Les conséquences qui se font déjà sentir seront encore plus catastrophiques. Dans ce réchauffement, les activités humaines jouent un rôle d'accélérateur avec la consommation forcenée des énergies fossiles qui dégagent des gaz à effet de serre. Engagement de Kyoto, directive européenne et mesures nationales se conjuguent pour limiter les émissions de CO2. En France, le Grenelle de l'environnement fixe des objectifs ambitieux de production d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie. 20 millions de tonnes équivalent pétrole en 2020, soit 20% de la consommation globale énergétique. Lancement d'un programme de développement des énergies renouvelables, le photovoltaïque, la géothermie, la biomasse, le solaire thermique. Renforcement dans une agence nationale de tous ces moyens, des objectifs de 50% de solaire dans les dom-tom et 30% des exploitations agricoles autonomes en énergie en 2013. 2013, c'est dans 5 ans. Deuxième axe, les économies d'énergie. D'ici 12 ans, c'est-à-dire 2020, diminuer la consommation des bâtiments de 38% et de 20% le secteur du transport et de la mobilité. Face à ces enjeux, les industriels intensifient la recherche et le développement des nouvelles technologies. C'est ce salon de l'innovation. Et ces innovations, ces optimisations voient le jour et permettent de concilier durabilité et développement économique. C'est le développement durable. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau où, avec nos invités, nous allons partager trois exemples de technologies qui démontrent que l'on peut concilier économie et écologie. Je vous présente les participants. François Gérin, qui est le directeur général adjoint de Siemens France. Jean-Luc Vespal, président de Anno Énergie SAS, Société Anonyme Simplifiée. Pierre-Nicolas Biel, qui est en charge de l'éolien chez Siemens France. Et enfin, Jean-Charles Lebrun, Business Development Manager, Siemens France. Alors, je commence avec vous, François Gérin, directeur général adjoint de Siemens France. Quelle place dans votre stratégie tiennent ces technologies qui répondent aux enjeux environnementaux ? Alors, ces technologies sont extrêmement importantes pour notre futur, même si en France, grâce à une politique déjà ancienne du nucléaire, du parc électronucléaire bien connu, les émissions de gaz à effet de serre sont à ce niveau-là particulièrement réduites. Mais nous profitons du fait que dans notre groupe, d'autres pays sont dans des situations beaucoup plus critiques et dans l'urgence. Et donc nous avons développé des technologies dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'éolien. On parlait également du solaire habituel, mais je voudrais signaler le solaire thermodynamique, dans lequel on est amené, grâce à des miroirs, à concentrer le rayonnement solaire dans un foyer de parabole. Ah, c'est le four solaire d'Odéo, par exemple. Le four solaire d'Odéo qui rentre en phase industrielle. Et il y a désormais des projets, et nous avons récemment signé en Espagne pour un de ceux-là, permettant de sortir 50 mégawatts, c'est-à-dire de quoi alimenter une ville de 40 000 habitants, ou d'avoir des applications industrielles, voire, le cas échéant, en littoral, puisqu'on parle beaucoup du plan de solaire méditerranéen, dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, de faire de la désalinisation d'eau de mer pour alimenter en eau douce les populations. Alors, on était au bord de la Méditerranée, mais moi je vous renvoie vers Siemens Allemagne. L'Allemagne, sous la pression des Verts, etc., a une avance très forte en matière de technologie. Est-ce que ce n'est pas un atout pour Siemens France d'utiliser ces technologies qui ont été développées outre-Rhin ? C'est très clair. Dans le domaine, on en parlera tout à l'heure, de l'éolien, il y a un parc installé en Allemagne qui avoisine les 20 gigawatts et qui a donné une grande expérience de déploiement industriel de cette technologie. Dans le domaine du solaire, il y a également une grande expérience qui a été accumulée dans différents pays.
dont l'Allemagne, mais aussi la Hollande. Et il y a du soleil un peu partout, même si l'intensité est un peu plus faible. Alors justement, mais dans des pays où elle est plus faible, ils l'ont développée. Et en France, où on a quand même un ensoleillement moyen, enfin supérieur sur toute la côte ouest, et puis la... Alors on va voir une carte, si vous le voulez bien, qui va donner l'ensoleillement. Donc on voit évidemment plus en rouge les zones sud et bien exposées. Et puis on voit des pays verts. C'est... Et puis il y a des pays verts beaucoup moins exposés. Et surtout, on va vers le bleu au Cap Nord. Mais on voit bien aussi que la France est relativement bien exposée en moyenne. Et donc on peut faire du solaire et en particulier du photovoltaïque dans des régions qui sont pas nécessairement proches de la Méditerranée. Le photovoltaïque, il a un gros potentiel. Hein. Faut rappeler qu'un mètre carré produit à peu près... Un mégawattheure par an, oui. Oui, donc... Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Et aujourd'hui, il y a quand même pour le photovoltaïque des conditions plus favorables, à la fois techniques et puis administratives et financières. Oui, alors je voudrais en montrer quelques exemples, là encore, avec des photos. Un premier exemple. Il va arriver, voilà. D'une installation sur une serre en Hollande. Vous savez qu'il y a beaucoup de serres en Hollande, ben justement pour compenser le fait qu'il y a un petit peu moins de soleil que dans le sud. Et on peut utiliser la surface du toit pour mettre des cellules photovoltaïques. Alors là, il y a les deux dimensions, c'est-à-dire qu'on assure à la fois un minimum d'ensoleillement pour la photosynthèse et puis on produit de l'électricité. Oui, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on a une couverture qui laisse quand même bien passer la lumière du jour. Deuxième exemple, le stade de Nuremberg, qui a été récemment équipé en photovoltaïque. Alors c'est une expérience sur une échelle importante. Vous savez que le stade de Saint-Étienne en France est lui-même équipé sur une première portion, de manière à pouvoir tester la possibilité de production électrique ainsi réalisée. Alors, Saint-Étienne, c'est les verts. Hein. Bien entendu. Alors, les verts restent verts, quoi. Quel beau jeu de mots, n'est-ce pas ? Merci. Autre exemple, et c'est pourtant d'habitude un bâtiment ou un type de bâtiment qui n'est pas nécessairement particulièrement esthétique. Là, il s'agit d'une usine d'incinération d'ordures à Milan et sur laquelle on a posé du photovoltaïque sur les murs. Donc, on peut combiner, là aussi, une production complémentaire d'énergie grâce à la surface disponible et à, évidemment, une bonne incidence par rapport à l'ensoleillement. Et puis un dernier exemple, donc c'est une centrale de biomasse, on se rapproche d'ailleurs un petit peu du cas qui va être développé, où on voit plus ou moins bien sur la photo, mais on voit sur la partie centre-gauche du photovoltaïque qui est à côté d'une centrale classique de... cogénération en biomasse, c'est la partie qui est basse sur la droite. C'est la partie basse. Alors on va la voir un peu plus en détail à la photo suivante. Donc la pose des cellules sur cette surface qui se trouve à côté donc, de la partie active usuelle de la centrale de biomasse. On va voir justement avec Jean-Luc Westphal un projet qui commence d'ailleurs à se réaliser, qui est pour le moins novateur, parce que vous associez photosynthèse et photovoltaïque, on va le voir. Vous êtes à l'origine de ce projet industriel, mais vous êtes agriculteur. Voilà, tout à fait. Ben, j'exploite avec mon frère une importante ferme céréalière de 200 hectares. Et nous souhaitons valoriser les déchets de cette agriculture. Et en plus, nous souhaitons... faire une reconversion d'une partie de l'exploitation en plantes énergétiques, dont de nouvelles cultures. Donc vous vous orientez, alors l'activité agricole va rester une activité importante, hein, voilà. Mais dès votre arrivée dans le monde agricole, vous avez eu quand même une approche pour le moins novatrice. Allez, mais faut, parce que ça vous représente bien, vous êtes arrivé avec votre brevet, là, sortant du lycée. Voilà, un brevet technicien agricole en 84. Allez, première décision dans la ferme de papa, mais ben, parce que ça vous, je pense que ça vous incarne d'une manière parfaite. Oui, à l'époque, c'était déjà plus ou moins une révolution. Avec mes premières économies, ben, j'ai acheté un grand tracteur 4 roues motrices et j'ai retourné les prairies de mon père à son insu. Pour y planter du tournesol. Alors, réaction du père ?
À l'époque, il n'était pas trop enchanté, parce qu'à l'époque, notre exploitation, c'était plus ou moins, on travaillait en autarcie. Et en plus, c'était vraiment une réussite, cette première année de tournesol. C'était déjà une année exceptionnelle, au niveau rendement et aussi au niveau prix de vente. Et donc, vous avez fait une superbe année. Là, votre père, il vous a regardé déjà... Voilà, d'un œil différent. En disant, oui, le Jean-Luc, il bouscule un peu, mais... Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, comme il avait des vaches laitières, je lui ai vendu ces vaches laitières, comme il avait plus de prairies. Et vous avez dit, papa, cette forme d'agriculture-là, elle est finie, quoi. Elle est finie, je ne veux pas dire finie, mais elle était plus ou moins dépassée. Oui, vous l'avez fait finir, de toute façon, celle-là, sur votre exploitation. Voilà, c'était une des Alors, premières. Maintenant, pourquoi ce développement, cette valorisation de la biomasse? Puisque le projet dont on va parler, il est à la fois valoriser la biomasse pour en faire de l'énergie. Alors, c'est déjà le premier volet. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Les énergies renouvelables, depuis des décennies, c'est un peu mon dada. Tout petit déjà. Tout petit, voilà, et avec le temps, ça s'est renforcé. Renforcé, voilà, et déjà une dizaine d'années, on a mis en place une chaudière à la ferme à partir de biomasse, déchets de ferme. Et... Alors là, dans cette exploitation, vous allez faire pour la première fois en France, vous allez planter une plante. Voilà, tout à fait. Qui a une vocation exclusivement valorisation énergétique. Énergétique, voilà. Surtout, il ne faut pas confondre plante énergétique et plante alimentaire. Alors, comment elle s'appelle, cette plante? Là, on a mis plusieurs plantes en place cette année. Mais il y en a une, là, qui est révolutionnaire. Voilà. Cette plante s'appelle Dingiscum. Qui provient du nom latin ignis, qui veut dire feu. Voilà, inifuger, c'est résister au voilà, feu. Voilà, ça veut dire plante à feu. Alors, c'est quoi cette plante à feu, là? C'est une plante qui a été développée dans un institut de recherche allemand et qui a pousse très rapide. Et normalement, au niveau de taux de matière sèche, on arrive à tripler le rendement par rapport à des plantes connues... plantes énergétiques qui sont le Miscanthus. Par rapport au Miscanthus, c'est trois fois plus. Trois fois plus de rendement. Alors cette plante, cette Iniscum, vous en avez planté quand? Il y a deux jours, on vient de finir la plantation. Alors ce qui est intéressant, c'est de dire de combien ça pousse par jour. Cette plante peut arriver jusqu'à 7 cm de croissance par jour, ce qui est phénoménal. Hein. Voilà. On doit pratiquement pousser à l'œil. Oui, c'est comme une vigne, quoi. C'est à peu près la vitesse de la liane de la vigne. Voilà. Pas besoin d'engrais parce qu'elle perd ses feuilles qui enrichissent le sol. Voilà, qui enrichissent le sol par rapport au Miscanthus qui garde ses feuilles. Et deuxième plantation, c'est un sorgho. Alors, voilà. En fait, c'est un sorgho énergétique. C'est un sorgho qui a été croisé avec c'est un sorgho roumain qui a été croisé avec un sorgho asiatique. Et c'est un sorgho qui ne porte pas de graines et qui met sa croissance dans la masse ligneuse. Voilà. Alors, cette plantation de sorgho, on va pas. Elle vient derrière le blé? Voilà, c'est en deuxième culture. Comme ça, on va garder la culture alimentaire et en deuxième culture, en dérobé, on va mettre ce sorgho énergétique en place. Une fois le blé moissonné, la terre a fait sa vocation alimentaire, derrière, voilà. Vocation énergétique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec cette biomasse? Voilà. Toute cette biomasse va être broyée. Et après, il faut que toute cette biomasse soit stockée et séchée. D'où besoin de bâtiments pour le séchage, parce que je souhaitais éviter le séchage... avec des matières fossiles, oui, combustibles fossiles, d'origine fossile. Donc, séchage naturel. Naturel, voilà, pour éviter cette forme de séchage, on a privilégié le séchage naturel. Par le vent? Par le vent, voilà. D'où le besoin d'énormes bâtiments de grande capacité et aussi de surface assez conséquente au niveau toiture. Là, il y a des couvertures. Alors, voilà. Simplement, ce parc photovoltaïque que vous créez, c'est quelle surface?
De bâtiments. Alors, de bâtiments, ben en fait, là, on va mettre en place 36 000 mètres carrés de toiture photovoltaïque. Et en plus, la technologie qu'on va utiliser, c'est des panneaux japonais. Simple toit intégré. Et avec une technologie assez spéciale, on n'a pas besoin de sous-toiture. Les panneaux vont faire office d'étanchéité. Double mission pour les panneaux, ils font l'étanchéité et ils assurent l'étanchéité. Oui, de la toiture. Voilà, de la toiture. Et la production d'énergie renouvelable. Alors, 36 000 mètres carrés, vous tablez sur quelle production d'énergie? En puissance, on va arriver à 4,5 mégawatts d'installés. Ce qui représente quand même une consommation pour 4 000 à 5 000 foyers. Ça va représenter, ces 36 000 mètres carrés, 27 000 panneaux. Voilà, 27 000 panneaux de 1,3 mètre carré. Non, mais c'est la plus grosse installation. Ça va être la plus grosse installation intégrée au monde, niveau puissance. Alors justement, tiens, là, on voit l'esquisse du premier... Du premier bâtiment, voilà. Et les bâtiments ont été conçus en monopente. Et si vous regardez bien, derrière le bâtiment, il y a une ouverture de 50 à 80 cm. C'est pour créer un flux d'air qui rentre devant dans les bâtiments et puisse ressortir à l'arrière et en même temps sèche la biomasse. Vous avez dit ça va être parce que c'est le projet... Le projet a démarré il y a 3 mois. Et pour l'instant, on est en train de monter les premiers poteaux et les premiers travées de charpente. C'est un projet industriel lourd. Quel est le montant global de votre investissement? En globalité, on va arriver à peu près à 20 millions d'euros d'investissement. Bâtiment plus panneaux photovoltaïques plus onduleurs. Alors on y viendra aux onduleurs tout à l'heure avec François Gérin Simas, mais quand vous êtes allé voir les banques, vous, Jean-Luc Vespal, et que vous leur avez dit, voilà, j'ai un projet, je vais faire une usine, une installation pour faire de la valorisation de biomasse, et je vais couvrir ça avec du photovoltaïque, il me faut 20 millions, comment ça a été reçu? On avait besoin de frapper à beaucoup de portes. Et c'était pas évident de convaincre les financiers pour un tel projet aussi conséquent. Un gros volume d'investissement et deux, le temps de retour, parce que c'est pour les banquiers, c'est le truc très important là. Quel est le temps de retour? Là on arrive à peu près sur un temps de retour entre 10 et 11 ans. Et alors là on donnera pas de nom, mais les grands établissements financiers, quand vous leur avez dit c'est 20 millions, je reviens, retour, return on invest, comme ils disent, 10-11 ans. Pour les banquiers, c'est plutôt en industrie, entre 3 et 4 ans. Là, ils étaient un peu étonnés. Le seul avantage, c'était quand même une garantie de rachat de l'électricité à prix garanti sur une période garantie. Oui, avec un engagement. Ça 20 ans, voilà. Sur 20 ans. Oui. Et c'est vrai que ça donne de la visibilité. Il n'y a pas des soirs où vous êtes rentré, parce qu'on voit bien que vous êtes un volontariste, un optimiste, il n'y a pas des soirs où vous êtes dit... Oui, quelques fois, mais avec le temps, on s'habitue, on devient résistant. Alors, vous avez démarré l'idée de ce projet, c'est en 2006 2006, j'ai créé la société Anneau Énergie. En SAS, parce qu'à l'époque, j'étais sur une autre affaire qui est la pyrolyse. Et là, j'ai mené une étude avec un bureau d'études de Bordeaux. Encore une autre idée. Voilà, quoi. Une autre histoire. Alors, celle-là, on la referme. Les travaux sont en cours. La pose du premier... quand est-ce qu'il arrive, le premier panneau, là? Les premiers panneaux sont en train d'être terminés au Japon. Et le premier conteneur va partir pratiquement d'ici une semaine et il faut 4 semaines de voyage en mer. Après il y a la pause qui est un moment délicat puisque cette double fonction fait qu'on ne peut pas se permettre la moindre défaillance.
Ah oui, c'est quand même assez technique. Ossature Ben, en fait, c'est une ossature lamellicolée. Ah, charpente en bois. En bois, voilà. On voulait quand même associer, comme c'est du renouvelable, on voulait privilégier une source naturelle qui est le bois. Ben, le bois, il stocke le carbone, c'est bien. Tout à fait. Alors, on va terminer ce tour d'horizon. On pourrait continuer parce que mise en production, là, quand est-ce que, clac, connexion Ben, on a prévu la fin des travaux en janvier 2009. Et la mise en route dès qu'il y a les premiers rayons de soleil du printemps, disons février-mars. Février-mars. Voilà. Et le rachat de l'électricité, quel est l'acteur énergéticien que vous avez Ben, en Alsace, c'est Électricité de Strasbourg, qui est une filière de EDF et qui va racheter le courant. C'est eux qui vont racheter cette production. Alors François Gérin, quel est le rôle de Siemens dans ce projet qui est un superbe projet, hein? Oui, on peut le montrer sur un petit schéma. Le voici. Donc, tout en haut, vous avez les panneaux solaires dont vient de parler M. Westphal et qui, dans ce projet, viendront du Japon. Et puis ensuite, vous avez des boîtes de jonction qui vont permettre de regrouper, alors en série ou en parallèle, une combinaison des deux pour ceux qui ont fait un peu d'électricité dans leur jeunesse. Et ensuite, on trouve des onduleurs pour pouvoir injecter le courant électrique dans le réseau, donc en l'occurrence de l'électricité de Strasbourg. Donc dans ce projet, nous fournissons une part très importante qui est celle des onduleurs, qui jouent un rôle fondamental, notamment vis-à-vis de l'électricité de Strasbourg, parce qu'il faut que ce soit un courant qui soit bien conforme au gabarit. La fiabilité du courant. Exactement. Et alors les onduleurs, bon, on en a dans une salle où on a 3-4 onduleurs. Ça n'a rien à voir, là, la dimension de ces onduleurs, ce sont de grosses machines. Ben, on a vu, il va falloir passer, pour le dire de manière simple, 4,5 mégawatts en pointe les jours où il fait beau et il y a un plein soleil. Donc c'est une puissance importante. Et on sait bien entendu, et on fournira, tous les systèmes de supervision et de contrôle correspondants qui sont indispensables pour pouvoir piloter cette installation de manière efficace. Et là, vous serez en télésurveillance, c'est-à-dire que les données de l'onduleur seront surveillées à distance par Siemens, c'est ça? Oui, ça peut être surveillé à distance, mais là, en l'occurrence, ça sera aussi au niveau local, hein, puisque voilà, vous aurez vos propres bureaux sur place. Et voilà. Si vous aviez d'autres installations, on pourrait très bien imaginer, effectivement, de rapatrier en un PC central l'ensemble des informations de vos différentes installations. Là, vous êtes un des éléments dans cette production d'électricité, un élément important parce que c'est le raccordement au réseau. Mais Siemens, vous faites aussi des installations clés en main. Alors on fait également du clé en main où on apporte les différents composants, dont bien sûr les onduleurs fabriqués chez nous, mais aussi les panneaux qui sont achetés à l'extérieur. Avec le choix d'ailleurs entre deux technologies, il y a des panneaux cristallins, tels que ceux qui seront implantés là, qui ont un rendement assez élevé. Puis il y a des panneaux amorphes qui se posent un peu comme une moquette. On déroule sur un toit. Ça existe beaucoup. Qui ont un rendement moindre, mais qui sont très très faciles à poser. Oui, alors on imagine le toit d'un grand entrepôt de logistique. On déroule dessus, comme un tapis. Et puis finalement, on sort de la puissance électrique. Par rapport au cristallin, quel est la puissance On est dans des rendements qui sont... plusieurs fois, c'est en ordre de grandeur, plusieurs fois inférieur à ceux du cristallin. Et puis surtout, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais qui sont censés être divisés par deux à peu près en 10 ans. Oui, mais en revanche, on le met sur une structure existante. Mais par contre, c'est très très facile à poser. Ça correspond à des cas de figure, par exemple de couverture d'un parking, d'un supermarché. D'un grand entrepôt plat, etc. Et avec, il faut le souligner, un prix de rachat qui est différent par EDF ou filiale. Parce que non intégré. Si c'est intégré ou pas intégré. Ah oui. Et donc on a évidemment intérêt à essayer d'intégrer dans le bâtiment, que ça soit sur la partie supérieure ou éventuellement sur les côtés, parce qu'à ce moment-là, on peut bénéficier d'un taux de 55 centimes du kilowattheure pour le rachat d'électricité, alors que si on est à côté du bâtiment, par exemple, en couvrant un terrain posé sur le sol, qui est libre... Posé sur le sol, on a entendu parler de projets, par exemple, sur des bases aériennes où il y a des grandes surfaces
Là, on a un taux seulement de 33 centimes du kilowattheure. Alors bon, on ne rentrera pas dans le détail, mais il y a effectivement tout un cahier qui spécifie quelles sont les conditions qui font qu'il est réellement intégré au bâti ou pas, puisque la différence de prix de rachat justifie que l'on soit... l'administration est vigilante sur cet aspect d'intégration. On va quitter le soleil, encore que le vent, s'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas de vent, hein, n'est-ce pas, Pierre-Nicolas Biel. Vous êtes en charge de ce secteur, et ce qui est intéressant, c'est de dire que du temps de vos études, ce qui n'est pas si lointain que ça, ça fait combien de temps ? Ça doit faire 12 ans maintenant. Alors, comme vous avez dit, je voudrais travailler plus tard dans l'éolien. Quelle était la réaction du monde universitaire ? Oui, pour revenir aussi, pour faire le lien avec l'histoire de M. Westphal, je pense effectivement que le renouvelable, c'est une histoire d'êtres humains, de particuliers, qui veulent faire quelque chose, qui sont passionnés par les enjeux de l'énergie. Et effectivement, lorsque je faisais encore mes études, j'étais déjà passionné par ce domaine-là, mais en France, effectivement, c'était très difficile à l'époque. Voilà. Bon, ce qu'a fait M. Westphal dans l'éolien, ce sont aussi des agriculteurs d'ailleurs qui ont commencé en Allemagne il y a maintenant une vingtaine d'années, et qui achetaient une éolienne ou deux éoliennes pour leur installation agricole. Leurs propres besoins. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes chez Siemens France, l'homme de l'éolien. Oui. Alors en France, le marché a eu du retard par rapport au marché européen. Aujourd'hui, on est à environ 2500 MW d'installés en France. On a installé 800 MW l'année dernière en France. Et donc, il était temps, je dirais, pour Siemens France aussi de créer sa filiale en France, ce qui a été fait il y a un an et demi. Et aujourd'hui, effectivement, le développement en France est tout à fait majeur, puisque la France fait partie des trois premiers pays en Europe, les trois, quatre premiers pays avec l'Italie, l'Allemagne, bien sûr, l'Espagne et l'Italie, à développer l'éolien. Alors, Siemens France, éolienne, quels sont vos domaines d'activité ? Alors, nos domaines d'activité, on est bien sûr actifs sur la partie vente, la vente d'équipements. Nous, à nos clients, des particuliers ou bien des utilities, nous leur donc fournissons les équipements, les pales, les nacelles et les tours. La deuxième activité, c'est une activité réalisation, projet, puisque nous réalisons nous-mêmes le transport, le levage et la mise en service des installations. Et c'est le client qui réalise toute la partie génie civil, exactement. La plateforme, etc., etc. Un petit peu comme M. Westphal, généralement nos clients intègrent tout le projet. On a fait quelques clés en main, mais aujourd'hui on se concentre sur notre cœur de métier qui est l'équipement. Et puis vous vous assurez aussi tout ce qui est service et maintenance. Alors, service et maintenance pour tous les parcs donc, que l'on a déjà en opération en France. Ou pour chacun de nos parcs, nous avons deux techniciens qui effectuent les travaux de maintenance, de réparation. Pendant une durée qui s'étale de 10 à 20 ans. Alors, quelle puissance vous avez installée ? Vous, combien de machines ? Aujourd'hui, nous avons 93 éoliennes d'installées, qui sont des éoliennes de première génération, donc de 1,3 MW, qui sont installées en région Languedoc-Roussillon et en région Bretagne. Et puis, depuis la création de la filiale française, nous avons donc introduit la nouvelle génération de machines, qui correspond au développement de l'éolien, c'est-à-dire avoir pour le même encombrement visuel, le même encombrement foncier, avoir des puissances plus importantes. Donc, et là, on passe à combien ? On passe à 2,3 MW. Le gap technologique s'est fait essentiellement au niveau de la taille des pales, puisqu'on a actuellement des pales, des rotors qui font 93 mètres de diamètre. Donc c'est plus que la surface d'un terrain de football. Et aussi au progrès qu'on a fait dans... On en voit ici. Oui, alors là on est passé offshore, directement là. Au offshore. Donc on va parler effectivement du offshore. Le offshore en France a un petit peu de mal à décoller. Donc l'offshore, c'est bien l'éolien en mer. Et le onshore, c'est sur terre.
Voilà. Et pourtant, la France est là, si je me souviens bien, que plus de 4000 km de côte, hein, c'est ça ? Oui. Je pense que la France, alors, y a, pourquoi le marché français ne s'est pas développé ? C'est essentiellement parce qu'il y a un certain retard, je dirais, du marché éolien dans son ensemble sur la France. Sachant que l'éolien en Allemagne, donc les débuts datent de 20 ans, aujourd'hui, ils sont prêts pour le offshore. Donc je pense que nous, d'ici la fin de l'année, le cadre réglementaire sur le offshore va se mettre en place pour qu'on puisse avoir des projets qui vont se multiplier en 2011-2012. Oui, l'avantage du offshore, c'est qu'on a une exposition au vent qui est en général supérieure, en moyenne, en tout cas c'est comme ça qu'on le calcule, à celle qu'on a en inshore. Donc c'est un point très positif. La difficulté, c'est qu'il faut rapatrier le courant. Et c'est une petite complexité, mais qu'on sait résoudre très bien. Alors il y a un autre avantage, c'est que le offshore, sous forme de ferme éolienne, il n'y a pas la même opposition que celle qu'on voit de temps en temps en France quand il y a un projet de parc sur terre avec des riverains, parfois même menés par quelques... Allez, moi je suis libre dans mes propos, des écologistes qui s'opposent à la présence des éoliennes. L'Allemagne, elle avait beaucoup d'avance. Il y a eu des éoliennes un peu partout. En France, ça s'organise quand même. Oui, je pense que ça, c'est un élément très important pour le développement, les développements futurs de l'éolien pour arriver aux objectifs, pour atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement. Alors, quelle part vous lui donnez-vous à l'éolien, justement, dans ce bouquet énergétique ? Alors, vous avez rappelé les objectifs au début du Grenelle, donc, qui a été mis en place, qui va passer au Parlement, à l'Assemblée. Donc l'objectif, c'est de 20% dans la consommation. Alors si on prend la consommation totale ou la consommation finale, ça peut être 20 ou 25%. Mais en gros, dans la consommation finale, on devra passer au niveau électrique à 25% en 2020. Donc 25% en 2020, ça veut dire qu'aujourd'hui, la contribution majeure est dans l'hydraulique. On a 14% donc, qui est produit par notre parc hydroélectrique. Ça veut dire que l'éolien, dans le moins bon des cas, je dirais, si d'autres types d'énergie n'émergent pas entre-temps, devra combler environ, donc si on était 14, donc environ 11% de la différence. Oui, alors ça fait, en 2020, on n'est pas loin de 25 000 mégawatts. Donc ça, c'est aussi donc les chiffres pour l'éolien en 2020 correspondent à 25 000 mégawatts. C'est confirmé aussi par notre syndicat professionnel. Alors, ça correspond, je me suis fait un petit calcul hier. On s'est dit, il va me poser la question, donc je calcule. Oui, ça correspond. Alors, on peut dire 25 000 mégawatts, effectivement, c'est énorme. Si on divise par le nombre de départements français, on arrive à, en gros, une 100-150, suivant le type d'éolienne, 100-150 éoliennes par département français. Bon, un parc de 15 éoliennes, c'est à peu près une taille qui voilà. ça fait 10 parcs. Donc ça, c'est un élément. Il y avait une carte sur la répartition voilà, en France, et je pense que elle nous enseigne beaucoup de choses quant au développement de l'éolien en France. Vous voyez qu'aujourd'hui, le développement, c'est effectivement... Donc les zones les plus sombres sont les zones où il y a le plus d'éoliennes installées. On voit qu'on est en Bretagne, Languedoc-Roussillon, dans le nord de la France et dans la région centre. Oui, dans la Beauce d'ailleurs. Et dans la Beauce. Si on prend le TGV dans la Beauce, on voit ces grands parcs d'éoliennes là. Voilà, donc ça, cette carte veut dire qu'en fait, l'essentiel de l'effort a été fait dans des régions très limitées. Et donc, si on veut arriver aux objectifs du Grenelle, je pense qu'il faut arriver à une diffusion plus harmonieuse. Donc, je pense que c'est l'objectif, un des objectifs principaux en France pour arriver à ces objectifs. Si on reprend ces 25 000 à 2020, ça veut dire que dans les premières années, il va falloir installer 1500 mégawatts et puis après, en régime de croisière, passer à 2000. Hein. Ouais. Donc ça, c'est à peu près les chiffres qui sont aussi qui ont été donnés par notre syndicat des énergies renouvelables, qui a fait d'ailleurs un travail énorme en France pour développer la filière. Et c'est en fait sur quoi on table. Alors évidemment, on revient sur les questions financières. Il est clair que pour avoir cette puissance installée par an, on aura besoin toujours d'un tarif qui est intéressant. Et donc on regarde avec attention cet aspect-là. Ah oui.
qui c'est est un élément important. C'est le tarif qui a fait décoller le photovoltaïque. Hein, ça c'est, alors, pour réussir, oui. On a Belgique, François, parce que je voyais que vous aviez... Puis on se réjouit aussi, parce que comme il n'y a pas du vent tout le temps, et qu'il faut compenser donc, les chutes de vent, ben, il faut mettre des centrales qui soient rapides et flexibles pour les moments où le vent s'arrête. Les creux, ben, c'est ça. Et du coup, ben, ça amène aussi à construire des centrales, par exemple à gaz à cycle combiné, qui sont extrêmement flexibles, qui peuvent monter en puissance ou redescendre très rapidement. Et bien entendu, nous sommes ravis de pouvoir en fournir sur le marché. Vive le vent, mais bien aussi quand quand il y a l'absence de vent. Pour réussir ce pari, on a déjà évoqué bon, l'acceptabilité hein, de ces éoliennes, mais il y a un aspect technique aussi, c'est avoir des éoliennes conçues pour des zones qui sont moins ventées. Oui, tout à fait. Je pense que nos gros clients aujourd'hui sont très sensibles à ça, c'est-à-dire que les zones historiques, je dirais, au niveau de l'éolien en France, qui sont les régions qu'on a vues sur la carte, à terme vont être surpeuplées d'éoliennes, et donc il va falloir aller dans des zones moins densifiées. Et effectivement, la contrainte principale, c'est que, si vous voulez, pour le même nombre d'éoliennes, il faut que ces éoliennes captent plus d'énergie, qu'elles aient des plus grands rotors, et qu'elles soient optimisées au niveau technologique. Et aussi un dernier point au niveau électrique. Puisque nous devons produire dans des régions en Auvergne ou dans des régions qui sont assez reculées. Et donc, il faut que le réseau puisse absorber la puissance. Donc, il faut que la qualité du courant donc, dont on parlait soit optimale. Par rapport à leur localisation. Voilà. Quelle est la place de la branche éolienne de Siemens France aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en milieu d'année prochaine, donc on aura plus de 250 MW d'installés. Aujourd'hui, nous sommes entre numéro 6 et numéro 7 et nous espérons être au moins dans le top 5 d'ici à 2010. Dans le top F, 5 ou 4. Five, hein, voilà. Alors, Jean-Charles Lebrun, diminuer la production des gaz à effet de serre et d'émissions... d'autres polluants hein, que le CO2, c'est ce que va permettre le projet sur lequel vous travaillez. En gros, c'est vous pensez aux bateaux immobiles qui sont dans nos ports. Ah oui, on est face à une problématique qui est connue, ou du moins qui est se dire un bateau c'est fait pour naviguer, et quelque part, à un moment donné, un bateau revient à quai. Et à ce moment-là, généralement, il stoppe ses moteurs de propulsion et il garde ses moteurs. Qui sont des moteurs typiques de production d'énergie et qui vont... les auxiliaires avoir, qu'il a... Et avec des conditions de pollution, on va dire, qui sont, je dirais, par rapport au réseau que l'on a sur Terre, plutôt défavorables. Alors là, on a une carte qui va nous permettre justement de voir... Oui, alors ce qu'on voit là, c'est effectivement la carte des émissions de SO2. Le SO2, c'est du soufre. Hein. Ah oui. Le SO2 est en partie responsable des pluies acides et puis d'un certain nombre de maladies pulmonaires. Donc c'est un élément qui est surveillé depuis déjà très longtemps. Et c'est un composant des fuels Oui, c'est un composant important des fuels marins. Oui. Donc la carte que l'on voit là, on retrouve sur cette carte les trajets des navires et les routes. Donc on voit en bleu les zones où effectivement la quantité de SO2 est la plus importante. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que là-dedans, il y a effectivement des zones très très bleues. Et ces zones bleues, en Europe, elles sont plutôt situées dans les mers fermées. Et c'est la Baltique, la mer du Nord, la Manche. Et donc c'est les zones qui ont été... je dirais en priorité sur lesquelles on a essayé. C'est les zones sensibles, voilà, quoi, c'est sur lesquelles vous êtes. Et donc l'idée, c'est de dire, effectivement, quand un bateau revient à quai, on va connecter ce bateau sur le réseau électrique et on va arrêter ses moteurs. Voilà. Alors, bon, on comprend bien le principe, mais un gros bateau, un bateau à quai, quelle puissance il faut lui fournir pour qu'il puisse se passer de sa propre production? Alors c'est assez divers, hein, parce qu'on a plusieurs types de bateaux, hein, entre les bateaux qui transportent vraiment du passager, comme un ferry par exemple. Un ferry, c'est autour des 2 MW.
Et puis on va vers des bateaux industriels, porte-containers, qui sont aux environs entre 2 et 5 mégawatts, hein, qui dépassent rarement 5 mégawatts. Et puis les records qui sont par exemple le Queen Mary, le plus gros paquebot. Voilà, où on est au-dessus des 10 mégawatts, on est environ autour de 12 mégawatts. Alors, ce que l'on a évoqué, là, ce que vous évoquez, cette solution qui permet de se brancher, elle existe déjà dans certains pays. Oui, alors les Américains sont étonnamment, hein, et c'est pas forcément le pays où on recherche l'innovation en termes d'écologie, et il y a un certain nombre d'États, en particulier la Californie, où il y a une préoccupation assez croissante dans ces phénomènes-là, et il y a un certain nombre de ports qui se sont posé la question déjà depuis un petit moment, le port de Los Angeles en particulier. Et en Europe ? En Europe, c'est vraiment le Nord, les ports de la Baltique se sont associés, hein, dans une association qui s'appelle Nuanza et qui vise à améliorer la partie écologique. Alors, les contraintes réglementaires sont souvent des éléments, c'est l'aiguillon qui pousse à une certaine vertu. Est-ce que là aussi, comme ça a été le cas pour les poids lourds, pour tout un tas pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, il y a des normes qui vont devenir plus contraignantes? Oui, il y a déjà des réglementations qui se mettent en place, notamment ces réglementations ont défini par l'intermédiaire du MARPOL et puis de la Communauté européenne des zones qui doivent être libres de soufre ou à soufre réduit. Et on note là essentiellement la Baltique aujourd'hui, la mer du Nord et donc les régions nord de l'Europe, la Méditerranée n'étant pas encore classée en zone CECA. Il y a une contrainte aussi qui va arriver si un bateau reste immobilisé plus d'une certaine durée pour certains types de bateaux. Oui, absolument. On parle aujourd'hui d'une... Il y a déjà eu l'an dernier une première réduction à 1,5% en teneur en soufre dans les carburants marins. Cette réglementation va obliger les armateurs à n'utiliser du carburant qu'à 0,1%, soit 15 fois moins que ce qui est aujourd'hui. Alors, dans les ports essentiellement, puisque c'est l'objectif visé. Hein. Bon, alors évidemment, l'autre possibilité, c'est de ne pas utiliser du tout de gasoil et puis de faire justement ce branchement électrique. C'est une solution qui nécessite que plusieurs acteurs trouvent vraiment le langage commun, là. Oui, absolument. C'est une solution qui est à la fois un modèle économique et un modèle technique, puisqu'on vient rassembler un producteur d'électricité, un gestionnaire de réseau, typiquement en France, ERDF, RTE, et puis on vient, enfin, un port, et puis un armateur qui vient à quai. Alors, tout ça, ça demande des connexions, et on va voir sur un petit schéma les difficultés qui peuvent exister. Donc là, on retrouve le schéma symbolique où on a d'un côté le réseau, hein, une transformation, puisque notre réseau en France, dans ce cas-là, est autour des 20 000 volts. Il faut savoir qu'un bateau, ben, là aussi, c'est pas forcément très simple, puisqu'il y a des bateaux qui sont en 400 volts, mais il y a des bateaux qui sont en 6000 volts, d'autres qui sont en 10 000. Et puis, mais ils sont tous à la même fréquence en plus ? Non. Allons-y. Ça serait trop facile. Et on a des bateaux qui sont en 50 ou 60 Hertz. La majorité des bateaux dans le monde sont en 60 Hertz. Vous pensez-vous qu'un des premiers types de bateaux qui pourraient être concernés, ce sont les ferries, parce qu'ils viennent toujours accoster au même endroit, et puis ils restent longtemps dans... Enfin, ils sont au même endroit, et il y a beaucoup... Bon, il y a des gens qui montent sur les ferries, etc. C'est le bateau le plus sensible. Ben, le ferry, effectivement, pour une question aussi d'équilibre financier du système, hein, qui est une part non négligeable du projet, ce sont des bateaux qui reviennent souvent à quai. Au même endroit. Et au même endroit, et donc il est... plus, quelque part plus facile et plus intéressant de pouvoir installer un système autant sur le bateau et sur le port qui puisse être utilisé de manière répétée. Quoi. Un mot, Jean-Charles, sur la connectique. Alors, on utilise des éléments qui sont assez proches de ce qu'on utilise dans le photovoltaïque, hein, puisqu'on a des onduleurs. Là, dans ce cas-là, on repasse par une... on va venir prendre le courant qui est à 50 Hz et on va mettre deux onduleurs en tête bêche qui vont transférer du courant de 50 Hz en 50 ou 60 Hz et qui va pouvoir alimenter le bateau. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez novateur et qui permet de raccorder des réseaux qui, quelque part, bon, pour les gens qui se rappellent un peu de leur cours d'électricité, n'ont pas de raison de vouloir se connecter facilement. Il y a aussi à définir une norme commune et là c'est en cours.
Alors, il y a deux grands standards qui s'ignorent. L'ISO et la CEI. La CEI qui est plus orientée vers l'électricité, l'ISO plus orientée vers les systèmes. Il y a de grands groupes de travail qui planchent en ce moment même, et sur lesquels on espère une réglementation qui permettra de développer ce système-là. Absolument. Oui. Alors, nous sommes parfaitement dans le timing qui était prévu pour cet échange. Parmi vous qui êtes là dans la salle, vous avez quelques interrogations pour chacun de nos quatre participants, ils répondent avec un plaisir. La première main qui se lève... c'est toujours difficile de poser la première question. Oh, non, mais elle est déjà là, sans poser la seconde tout de suite, mais on a la première. Bonsoir, Ferdinand Nonc du Nord. Je viens vous poser une question sur le parc éolienne. Le développement du parc, vous mettez une démarche encourageante, la construction d'un fort parc, une proportion 25% à la population électrique, si j'ai bien entendu. Ce développement-là... Renouvelable, hein. Renouvelable. Oui, part du renouvelable. Hein. Ah, ok, d'accord. Ah oui, parce que... Ah d'accord, bon bah ça. Et en termes de production, alors en termes d'impact, pour avoir un autre ordre de grandeur du volume production française ou européen du parc éolien. Voilà, c'était un peu la réflexion. Au niveau de européen, c'est en fait le Grenelle reprend mot pour mot pratiquement les contraintes, enfin les accords et les objectifs européens, les fameux objectifs des 3-20, donc les 3-20 qui sont réduction de 20% des gaz à effet de serre, 20% de réduction de la consommation et 20% de renouvelables. Donc en fait, la France a juste fait une traduction, je dirais, en fonction de son système électrique, de sa production électrique, production chaleur, production transport, et a défini une feuille de route qu'il a soumise au ministre. Et donc, c'est de là où on arrive à ces 25 000 mégawatts. Et voilà, donc au niveau européen, comment est-ce que ces objectifs se sont déclinés, ça dépend un petit peu de la politique. Je crois qu'il y a des pays qui sont très avancés sur les biocarburants en Italie, donc peut-être qu'ils vont avoir à faire moins d'efforts que la France. Mais bon, encore une fois, je pense que la France a deux avantages en termes de CO2, en tout cas, c'est le parc électronucléaire et l'hydraulique qui est très importante. Parce qu'il y a des pays qui doivent partir, comme l'Espagne, qui doivent partir de zéro au niveau pratiquement hydroélectrique. Et donc là, au niveau de l'éolien, ils ont des enjeux bien plus forts, puisqu'ils sont déjà, à 7000 mégawatts d'éolien installés. En termes de nombre d'éoliennes. La question que vous posiez, c'était d'éoliennes. En termes de nombre d'éoliennes, alors l'année dernière, on a installé, la puissance installée, si je ne me trompe, en Europe, était de 8 gigawatts. Donc 8 gigawatts qui sont répartis entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France, et l'Angleterre, bien sûr, qui est un très gros acteur aussi. Donc en gros, c'est ces chiffres-là. Au niveau mondial, on est autour de 15 gigawatts par an. Et donc la France, dans ces 8 gigawatts, on a quand même installé 1 gigawatt l'année dernière. On accélère fortement. On accélère, ouais. Autre question, oui. Premier rang, le micro arrive. Alors, François, on évoquait le fait que l'Allemagne va pousser sur l'éolien et va aussi l'Espagne, elle pousse aussi beaucoup sur le photovoltaïque. Hein. Sur le solaire aussi, thermodynamique. Oui, oui. Il y a un gros potentiel. Oui. C'est à propos de l'éolien offshore. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une distance optimale par rapport à la côte? Deuxième question, quelles sont les techniques qu'envisage Siemens pour le collecte et le rapatriement de l'énergie? Alors, la distance optimale, évidemment, c'est le minimum, hein, je dirais, plus on est prêt. Je pense que la distance, c'est un facteur important, mais c'est surtout la profondeur de l'eau, je crois, qui est importante. Hein, parce qu'il y a en Méditerranée, par exemple, ça va très profondément, très rapidement. Donc, il me semble qu'au niveau des profondeurs d'eau, on doit être autour des profondeurs qui doivent...
il faut que ce soit des profondeurs qui soient inférieures à 20 mètres, je crois, donc qui sont comprises entre 10 et 20 mètres. Après, vous avez des coûts de génie civil qui deviennent voilà. exorbitants. Voilà. Sachant que Siemens, d'ailleurs, travaille actuellement sur des projets d'éoliennes flottantes. Donc, ce ne sont plus que des projets parce que ça va se réaliser. Donc là, on n'aura plus du tout le problème des fondations. On s'affranchit de la profondeur. Voilà, de la profondeur. Mais en gros, c'est l'ordre de grandeur. Oui, concernant le transport, effectivement, c'est une problématique importante, hein, puisqu'on peut se retrouver avec des puissances installées considérables, plusieurs centaines de mégawatts qui sont assez loin des côtes. Et Siemens en particulier est un des leaders du transport de l'énergie, et notamment de l'énergie en courant continu, qui peuvent être des solutions extrêmement intéressantes pour transporter de très très grosses puissances sur des longueurs qui peuvent être assez importantes. Voilà. Oui. Une question, le micro arrive. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas assisté à toute la présentation, donc si ma question a déjà été posée, je vous demande de m'excuser. Vous avez évoqué effectivement le développement de l'éolien, le développement du solaire. Tout cela représente quand même des sources intermittentes, quelquefois aléatoires, qui créent des tensions de plus en plus importantes sur le réseau d'écart entre l'offre et la demande, que l'on peut résoudre effectivement par l'installation de centrales extrêmement flexibles. Vous avez évoqué les cycles combinés ou les turbines à gaz cycle ouvert. Néanmoins, ces installations qui valent environ 800 euros le kilowatt pour un cycle combiné installé, prêt à servir, sont utilisées de moins en moins longtemps, c'est-à-dire qu'en gros, des coûts de kilowattheure unitaire produits de plus en plus forts, c'est-à-dire que tout le développement des sources intermittentes aléatoires vont se traduire fatalement par une hausse très significative du coût de production du kilowattheure, même si la source primaire du soleil ou du vent est gratuite. Le coût de l'investissement à amortir va flamber. Donc, jusqu'où va-t-on pouvoir supporter des coûts de kilowattheure élevés? Est-ce que ça suppose également de développer des solutions de stockage d'énergie? Et à ce moment-là, quelle réponse avez-vous à ces questions? Alors, juste pour parler de l'éolien, après je te laisserai. Au niveau de l'intermittence du vent, alors évidemment, si vous prenez une éolienne individuelle, l'éolienne va puissance va directement être liée à la puissance du vent. Si vous considérez le parc éolien français dans son ensemble, on a des systèmes de vent qui sont décorrélés. Donc ça, c'est une beauté, je dirais, du système météorologique français, climatique. Complexe, ouais. Donc en fait, le RTE, dans son rapport annuel de l'année dernière, a donc statué que pour 1 mégawatt installé d'éolien, on pouvait considérer que cela remplaçait 0,2 mégawatt d'électricité traditionnelle. Donc ça a été acté, ça veut dire que ça a été un élément qui a vraiment poussé aussi le développement de l'éolien en France, sachant que RTE a vraiment fait des études très poussées sur le système de vent en France et sur les capacités donc de l'éolien à remplacer des énergies traditionnelles. Sur l'idée éventuelle de stockage. Oui, je reviens juste sur les aspects de coûts. Bien évidemment, nous sommes mal placés pour donner la réponse. C'est un choix, un arbitrage à faire au niveau des opérateurs. Et c'est le marché qui fait la régulation avec des prix de marché. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on est plutôt à des prix de marché qui n'ont pas grand-chose à voir avec les coûts de production de l'électronucléaire. Et donc là aussi, c'est vraiment une notion importante que celle du marché pour la régulation. En ce qui concerne le stockage, comme vous le savez, le stockage de l'énergie électrique n'est pas simple. Et chaque fois qu'on fait une transformation, on en prend un sale coup en termes de rendement. On perd de l'énergie. Donc on a entendu, il y a des tas de solutions que nous n'avons pas d'ailleurs développées, parce qu'il n'y a pas besoin, de remonter de l'eau dans les barrages. En ce moment, je crois qu'il n'y a pas trop besoin non plus, vu la pluviométrie. Il y en a trop. De comprimer des gaz, etc., etc. Le mieux, c'est quand même d'arriver à ajuster en temps réel la production et la consommation, et en s'appuyant sur un réseau maillé intelligent qui est celui que RTE notamment, mais maintenant à un niveau européen, les transporteurs européens mettent en œuvre. Par les interconnexions entre les réseaux. On va prendre... Moi, je voudrais apporter un complément. En fait, des jours sans vent en France, ça existe. L'électricité, ça se transporte très mal. Qu'il y ait du vent dans le nord de l'Allemagne et pas de vent dans le sud de la France, ça ne fonctionne pas.
Deuxièmement, vous savez combien il est difficile aujourd'hui de transporter de l'électricité, combien il est difficile de poser une ligne de 100 000 ou 400 000 volts. On va l'enterrer, ça passera. Non, 400 000 volts, vous ne l'enterrerez pas, ce n'est pas possible. Ah bah, non, mais pas sur longue distance, les pertes capacitives, ou à moins passer au courant continu. Pour l'interconnexion, c'est ce qui va être fait. Oui, non, mais c'est quand même limité en distance. Je crois qu'on pourra en discuter. Donc, de toutes les façons, ça veut dire que des jours sans vent, des jours sans vent couvert, ça existe. C'est-à-dire qu'au pire, vous allez être obligé d'offrir, à moins de délester les clients et les effacer, est-ce qu'ils vont l'accepter ? Vous allez être obligé de trouver des solutions qui permettent de continuer à alimenter les clients en électricité lorsque vous n'aurez pas de source éolienne, lorsque vous n'aurez pas de source. Et il va falloir les construire et les amortir. Personne ne va accepter de ne pas avoir d'électricité le jour où il n'y a pas de vent et pas de soleil, la nuit. C'est un problème. Toute question qui se pose aux opérateurs, nous ne sommes qu'un modeste fournisseur de solutions techniques pour les opérateurs et à travers eux pour le consommateur final, qu'il soit industriel, tertiaire ou du grand public. Oui, les opérateurs et au-dessus le niveau régulation et politique qui va décider effectivement des limites. Oui, c'est vrai qu'il y a des jours sans vent. Bon. Il y a des jours avec beaucoup de vent aussi. Oui. Et puis pour revenir, juste pour relativiser un petit peu la part de toutes les énergies, c'est que l'éolien, au mieux, et j'en suis un défenseur, donc je pense que l'éolien représentera 15% de la production en France. Avec le offshore, on peut peut-être arriver à 25%, mais ça se limitera, je pense, à ce pourcentage-là. Donc après, en 2020, il y aura d'autres types d'énergie qui auront été mis en place pour justement combler cette intermittence. 25% des 20% de renouvelables, hein, c'est... Oui. Non, mais il faut ramener ça à la consommation globale. Allez, s'il y a une dernière question, on la prend avec plaisir, oui. Où êtes-vous ? Madame Micro ? Oui, je suis là. C'est devant. Oui, bonjour, merci. Donc une question pour Monsieur Westphal. Je dirais, vu la taille et l'innovation de ce projet gigantesque, quels ont été les obstacles majeurs que vous avez rencontrés d'un point de vue administratif et comment pensez-vous en faire bénéficier, je dirais, le monde agricole pour le prolonger finalement cette innovation. Démultiplier cette innovation. Voilà. Oui. Ben, en fait, il y avait beaucoup d'obstacles. Pour commencer, il y avait les obstacles administratifs et qui n'étaient pas une mince affaire. Déjà au niveau obtention de permis de construire. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau permis de construire dans le domaine agricole, dès qu'on dépasse les 1000 mètres carrés au niveau photovoltaïque, on est considéré comme une installation industrielle. Et actuellement, au niveau de la législation, on est considéré en tant que projet industriel si on dépasse les 1000 mètres carrés. Et là aussi, à ce niveau-là, il faudrait modifier un peu les textes à ce niveau-là. S'il y a un parlementaire. Voilà, et deuxième obstacle, c'était aussi au niveau financement. C'était pas évident de trouver 20 millions en plus pour un projet. À 10-11 ans. Oui. Voilà, et en plus en France, il n'y a pas assez de recul au niveau photovoltaïque, vu la dimension du projet. Là aussi, on a eu beaucoup de mal. Mais finalement... Vous avez triomphé de tous ces obstacles. Voilà, c'était vraiment un parcours de combattant pour arriver à fin. Voilà, et février ou mars, ça va être un grand moment pour vous. Oui, oui, j'espère qu'on va arriver d'ici ce timing qu'on pourra le respecter. Mais nous, on est sûr que ce sera un grand moment pour vous et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. On va terminer cet échange avec une question un peu plus lointaine. Côté éolienne, Pierre-Nicolas, si vous aviez une décision à prendre, s'il y avait quelque chose pour que l'éolien se développe bien, ce serait quoi ? Le futur ? Je pense que
par rapport aux illustrations qu'on a eues là pendant cet échange, il faut qu'en France on puisse produire de l'éolien dans des régions peu ventées. Ça veut dire qu'il faut aussi faire des progrès dans le transport de ces installations-là, parce qu'on arrive dans des régions qui sont très difficiles d'accès. C'est des convois exceptionnels. C'est des convois exceptionnels et on est souvent limité, ça paraît ridicule de le dire, mais on est souvent limité simplement par les chemins d'accès pour les éoliennes. Donc ça, c'est le premier point. Au niveau technologique, ça a une conséquence aussi, c'est qu'il faut développer des éoliennes qui sont mieux conçues pour des vents faibles, et au niveau électrique, des régions qui sont mieux conçues pour des réseaux faibles. Voilà, donc je pense que si on arrive à se focaliser sur ces trois points-là, le marché va bien démarrer. On a des très beaux parcs en Auvergne, on a des très beaux parcs dans des régions où il n'y a pas énormément de vent. Jean-Charles Brun, les conditions du développement de votre système, là ? Je pense que, clairement, il y a un besoin de normalisation, clair, hein, puisque, quelque part, un bateau, ça peut arriver dans plusieurs ports, et un bateau qui arrive, il doit pouvoir être assuré de pouvoir se connecter. Voilà. Quel que soit le bateau, quel que soit l'endroit. Quel que soit le bateau, quel que soit le pays. Quel que soit il peut connecter. Voilà, tout à fait. Jean-Luc Westphal, vous êtes déjà plus loin que février ou mars 2009. Vous avez déjà un autre projet dans la tête. Voilà, comme j'ai toujours des projets dans les cartons, l'idée, c'est d'améliorer le niveau énergétique du combustible qu'on souhaiterait produire à partir de biomasse. Et là, on souhaiterait utiliser une technologie très innovante qui s'appelle la torréfaction. C'est comme la torréfaction de café. Du café, hein. Voilà. Et là, on arrive à concentrer la biomasse au niveau énergétique. Pratiquement, on arrive à un produit 100% sec.